Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va nickel, je suis un peu claqué mais bon ça c'est pas très grave. On est là, on est présent pour la vidéo. Et aujourd'hui les gars, nous sommes avec la nouvelle Ichiban Kuji Dragon Ball Dragon History. Et aujourd'hui nous sommes avec une seule pièce parce que je vais économiser pour décembre. Et oui, pas bête le bestiau. Bon, nous sommes avec donc la petite Goku qui mord la queue de Freezer. Ce sont des figurines qui mettent en valeur quelques passages historiques, on va dire, de l'animé Dragon Ball. Et ça, ça fait kiffer. J'aurais bien apprécié avoir aussi le Piccolo avec le Goku. Mais bon, malheureusement, je préfère économiser pour faire une grosse sortie en décembre. Donc jusqu'à là, il n'y aura pas de vidéo. Je suis désolé. Mais bon, faut faire ça intelligemment, bien évidemment en partenariat avec Japanco. Et si vous voulez des petits codes promo, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez vos propres codes promo. Bon, et bien voilà pour la petite boîte de cette Dragon Ball Dragon History de Ichiban Kuji. Belle petite boîte, bien colorée, vraiment toute petite quand même. C'est le lossé Bandai Namco et le petit tampon juste ici. Le côté de la boîte, le derrière avec une petite écriture vraiment sympathique ici. Et l'autre côté de la boîte et le dessus, bah, vous l'avez déjà vu. Et voilà, belle petite boîte. Par contre, j'étais vraiment choqué par les prix parce que je crois que celle-ci c'était 49€. Il n'y a que la Last One qui a vraiment pété en termes de prix. Et sincèrement, je comprends pas trop pourquoi. Parce que autant elle est sympathique, d'accord, autant c'est Bulma dans un lac avec voilà, mais il n'y a rien d'exceptionnel comparé à rien que la Piccolo et la Goku, que j'aurais d'ailleurs bien aimé avoir. Mais bon, comme je vous l'expliquais, on pense à descendre. Donc voici la bébête, donc plutôt pas mal en rendu général, mais ça on verra quand je vous parlerai des détails tout à l'heure. Bon, il y a quand même pas mal de choses à dire, je vais pas vous mentir, et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes surtout qui l'avaient acheté, qui avaient pris cette pièce avec Goku qui mord la queue de Freezer. Et ça m'a un petit peu étonné. Bon, moi vous savez, je suis un fan un fan de Freezer incontesté et je pouvais pas passer à côté de cette petite pièce qui est plutôt rigolote, qui met pas spécialement en avant Freezer et qui d'ailleurs ne met pas spécialement en avant Bandai et Ichiban Kuji. Vous connaissez la musique qui dit Japanco dit j'entends rien, cadeau. Comme d'habitude avec Japanco, Franck et Jérôme, on est gâtés. Petite serviette et deux autres petits cadeaux, donc normalement porte-clés. Et un autre truc apparemment, c'est pour poser des verres. Et ça, je trouve vraiment ça sympa. Donc on va découvrir ce que j'ai juste après. Petite serviette de Ginyu qui saute, enfin qui est en mode crapaud, hein, vous vous rappelez. Hop. Et donc en petit porte-clés, j'ai un petit Kukulin qui essaye d'attraper une boule de cristal. Et la lanière du porte-clés, c'est un petit Shenron plutôt sympathique avec derrière marqué Dragon Ball. Franchement, plutôt stylé, je vais le mettre direct dans la déco. Et pour le fameux porte-vert, j'ai le petit Goku qui dort juste dans l'herbe, en fait, qui fait un petit somme juste dans l'herbe. Vraiment ça stylé, voilà. Vous avez le petit Goku, imaginez qu'il y a le vert juste derrière, c'est juste trop cool en fait. Vraiment c'est juste trop cool, puis en plus c'est vraiment quali. Moi je trouve ça vraiment trop cool, trop cool. Bon les gars, voilà, le moment tant attendu est arrivé. Nous allons juger, détailler cette figurine. Il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit dans le positif et dans le négatif. On va commencer par le positif, hein, ok, comme ça, voilà, le watch time, tout ça, tu connais. Le positif, en fait, c'est cette nouveauté, c'est de faire ce genre de pièces qui voilà, mettent en avant des moments dans l'animé. Ça, c'est vraiment super cool. Généralement, c'est les résines qui font ça. C'est vrai que les résines, ça attire aussi beaucoup parce que c'est énorme, c'est pas la même matière, et aussi parce que y a plus de diversité en termes de pièces que
des figurines, on va dire, de ce calibre-là. Surtout que Ichiban Kuji nous avait jamais proposé de choses comme ça, si je me trompe pas, parce que je suis encore un noob. Hein. Certes, j'ai une collection qui est plutôt pas mal, mais je suis encore un noob, ça fait que 2 ans que je collectionne. Donc voilà, c'est super sympa, franchement. Voilà, il y avait le Goku avec le Piccolo. Il y avait le Goku avec le Vegeta et Bulma dans le petit lac. Franchement, c'est super sympa. Il y a rien à dire sur l'idée, sur le fait qu'ils aient mis ça en avant. C'est hyper cool. Mais par contre, les gars, en termes de réalisation, parce que ouais, c'est cool. Ça, c'est clair, c'est cool. Mais putain. Enfin, ils ont fait beaucoup moins d'efforts que sur des pièces de base hein, d'Ichiban Kuji. Moi, je trouvais que ces derniers mois, ils faisaient plus attention. Alors là, sur cette sortie-là, je trouve qu'ils ont régressé en termes de détails. Il y a trop de trucs qui vont pas, typiquement. Et je vais vous le montrer tout de suite. On va partir sur le bas, directement. Donc, le petit diorama. Déjà, vous voyez, ça, déjà, je sais même pas pourquoi ça existe, en fait. Pourquoi il y a ça, là? Pourquoi il y a une grosse rainure, une grosse fissure qui est ici? Déjà, premier point. De deux, le diorama, c'est vraiment cool, l'idée, encore une fois. C'est hyper cool. Ils l'ont fait aussi sur le Piccolo et le Goku. Voilà, où c'était vraiment de la terre, de la roche. Là, on a... un petit morceau de Namek. Il y a 2-3 rochers qui se battent en duel. Alors, bien sûr, c'est minimaliste comparé à la proportion des figurines, mais je veux dire, ils n'ont pas fait d'effort sur le détail, sur la texture. Ils auraient pu travailler un petit peu plus, parce que alors là, franchement, c'est limite si le mec, il a mis une grosse couche de peinture, là, pour le bleu-vert, il a mis une grosse couche de peinture. Et puis il a fait des petits trous avec des cure-dents, quoi. Vraiment, le mec s'est pas fait chier. Puis on voit le détail entre là où il y a plus de pointillés et là à la limite du pied de Goku où c'est tout lisse parce que. Enfin, en fait, on voit le contour en fait. Donc, déjà, ça, je trouve que c'est pas ouf. Bon, le petit détail là, le petit pied sur le rocher, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Bon, déjà en termes de détail sur le peu de diorama qu'il y a, je trouve ça sincèrement. À la limite du ridicule, limite tu me l'aurais foutu sur un socle transparent, ça aurait été pareil. Non, là je suis méchant, c'est pas grave. C'est l'idée est pas mal, mais je veux dire en termes de finition, les gars faites un effort bordel. Alors ok, vous l'avez pas fait cher les figurines. Ok, d'accord, mais bon quand même, abusez pas. Et en fait on va retrouver ce manque de détails partout. Goku, j'ai l'impression que les couleurs, c'est fade. Mais c'est fade, mais fade. Le orange, on dirait un orange qui est là depuis 3 semaines, qui est en train de pourrir, vous voyez. Je sais pas, alors pour une couleur, c'est dur de dire ça, mais en fait, on a l'impression que c'est pas un orange qui est frais, quoi. Voilà. Et puis, le bleu de Goku, bah, c'est pareil au niveau du t-shirt et tout, c'est pareil. Mais c'est pareil pour tout. Alors, Freezer, c'est pas trop compliqué. Le mec a que 3 nuances, donc c'est pas compliqué, mais sur les habits de Goku, quand même, faites un effort. Genre là, littéralement, il y a zéro effort de fait. Là, regardez, rajout du genou de Goku, rajout de la cuisse de Goku, on voit les délimitations, c'est dégueulasse, c'est fait vraiment... Franchement, ça me dégoûte un peu. Alors, ok, le prix, c'était pas excessif, mais quand même. Mais quand même, en fait, même à leur écouter, je sais pas, 20 balles, je m'en fous, en fait, ça revient à la même chose. En fait, les détails sont là, les détails qui sont pas bien sont là, donc ça revient exactement à la même chose. Bon, il y a des petites nuances, là, par exemple, sur la ceinture et le haut, en fait, mais ça reste fade, c'est du très foncé à du mi-foncé, donc on voit pas énormément la différence. Pff, non, franchement, En fait, je suis hyper mitigé. Déjà, alors, ça, vous voyez là, entre la jambe de Freezer et le dos de Goku, ils vont me faire croire qu'en fait, la Freezer, elle tenait pas.
Genre qu'ils vont nous faire croire qu'à un moment donné, ça serait possible qu'il y ait de l'affaissement. Je peux vous jurer qu'elle pèse même pas. Elle pèse rien du tout. Mais vraiment que dalle. En plus, ça sert pas à grand chose puisque la queue de Freezer est bien enroulée, bien attachée au corps de Goku. Donc ça, en fait, même le genou là qui est là est collé au corps de Goku. Donc en fait, Freezer est hyper bien rattaché. Est-ce qu'il y a un écart entre le cheveu? Ouais, il y a un écart. Ok. Mais je pense qu'en fait, ça aurait pas bougé. Bon, c'est dommage. Après, en vrai, la figurine, on la met comme ça. Donc jamais, jamais on aurait vu ce détail. Là, c'est vraiment parce que je chipote, mais je sais pas vraiment si ça servait à grand chose. En fait, là, c'est assez dur de juger la pièce. C'est assez dur de juger la pièce. On a une grosse rainure là, bah, pour la queue de Freezer qui a été rajoutée, bien évidemment. Bon, forcément, encore une fois, ça revient à la même chose que le petit bout de plastique sur le pied de Freezer. On n'est pas censé le voir. Ok. Donc, pour ce qui est des détails du visage, bah, l'expression de Goku, elle est rigolote, elle est pas mal, elle est exagérée, comme celle de Freezer. Sur ça, sur les expressions faciales, il n'y a rien à dire. Dégueulasse ou pas? Non mais, c'est du pâté, là. On est d'accord, c'est de la patate modelée, là. Ils ont rajouté des bouts et puis c'est terminé, quoi. Ils se sont... Moi, honnêtement, j'ai pas vu les autres pièces, mais je pense que c'est du même... C'est la même finition. Je pense sincèrement que... Alors oui, on va pas se mentir. D'un point de vue visuel, au premier regard, ça claque. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est joli, c'est long, il y a un petit diorama, il y a des couleurs, machin. Première vue, sans détail, bah ouais, c'est carrément sympa. Mais il y a ce côté où c'est bâclé, qu'en fait, la balance, elle sait plus trop quoi faire. Parce que vraiment, là, c'est... Je sais même pas si bâclé c'est assez fort pour dire à quel point ils ont eu la fainéantise de travailler une sortie comme ça qui franchement aurait pu péter les scores si ça aurait vraiment été travaillé en fait. Parce que là, mis à part dire les couleurs c'est fade, le diorama ils sont pas fait chier. Il y a des rajouts de peau, de cheveux, mais tellement voyants, c'est horrible. Je me pose la question de est-ce que c'est bien Ichiban Kuji, quoi, tu vois ce que je veux dire? Parce que, ok, on a déjà eu des dingueries avec Ichiban Kuji, mais là, en fait, je comprends pas le truc. Ils ont une bonne idée, mais c'est comme s'ils avaient pas la motivation de bien faire. Genre, ils ont pas envie de nous donner ça, alors que l'idée, elle est excellente, en fait. Elle est excellente et je peux vous jurer qu'elle apaise rien. Et là, il y a deux pièces en une, entre guillemets, plus le diorama et ça ne pèse rien. Là, vous voulez voir le dessous, c'est creux. Voilà. Après, on peut toujours l'incruster dans un diorama que vous pouvez faire vous-même. Ça peut toujours être cool. Mais il y a trop de trucs qui ne concordent pas, en fait. C'est dommage, je suis réellement déçu, je suis content de l'avoir parce que l'idée est cool encore une fois et c'est Freezer. Mais je suis vraiment réellement déçu qu'ils aient bâclé une aussi bonne idée en fait. Une aussi bonne idée, c'est vraiment dommage. Bah moi je pense que je vais m'arrêter là parce que une pièce comme ça c'est trop compliqué parce qu'il y a ce truc de ouais t'as la nostalgie et encore que ce moment il m'a pas non plus comme je vous l'ai dit. Mais voilà, c'est... En fait, ils gâchent leur propre truc, en fait. Leurs propres idées, c'est sérieusement dommage. J'espère qu'ils vont pas retomber dans ces fabrications un peu bâclées. Encore une fois, encore heureux que c'était pas excessif en termes de prix, parce que ça, j'aurais payé ça 80 balles. Là, franchement, je pense que je les insultais. Là, sincèrement, je pense que je les insultais. Ils ont eu l'intelligence de faire ça à peu près à des prix raisonnables. Mais ça n'empêche pas la déception parce que pour moi, c'est réellement bâclé. Et de toute façon, vous allez voir après l'intro, vous allez avoir le petit tour de la figurine. Et je peux vous jurer que, pff, ouais, c'est cool encore une fois, je me répète.
Et pas d'effort quoi, zéro effort. Voilà, vidéo terminée. J'espère que cela vous aura plu. Mais en tout cas, voilà, il y avait quand même pas mal de choses à dire sur cette pièce et sur la sortie en général. Il y avait beaucoup de positifs et il y a aussi pas mal de négatifs sur des détails, mais les détails sont importants dans des figurines dans lesquelles on met de l'argent forcément, et franchement bah voilà, je suis quand même très content de l'avoir forcément, et c'est vraiment cool d'avoir des petits moments comme ça en figurine avec le petit diorama qui va bien. Non, franchement c'est super sympathique. Mais c'est vrai que voilà, ce genre de truc, faut vraiment qu'il y ait comment dire, un moment que je kiffe pour le prendre quoi. Donc après là c'est spécifiquement un mauvais exemple parce que là c'est typiquement juste parce qu'il y a Freezer et le moment en soi il m'avait pas voilà, j'étais pas bouche bée quand c'est arrivé quoi. Surtout qu'en plus ce moment est réarrivé en plus dans Dragon Ball Super si je me trompe pas. Voilà, bah écoutez, je remercie encore Franck et Jérôme, Jap & Co pour leur rapidité, leur gentillesse, et puis bah pour les cadeaux forcément, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour les codes promo. Je vous fais plein de gros bisous. Peace, et pas sûrement. Pouh. Là les gars, je vous avoue que ça commence à être un peu compliqué. Tout ça c'est blindé, du coup là je descends des étages. j'ai plus de place. Donc là j'entasse les boîtes pour essayer de me faire des supports, mais ça devient compliqué quoi. Est-ce que vous auriez des astuces? SVP. Yay! Peace!